Des îles obscures, on dit qu'elles n'existent pas. Des îles mythiques, hantées par des fantômes, par des spectres. Ils ont renoncé à la vie. Des contes pour effrayer les enfants turbulents. Mais moi, je sais la vérité, car j'y suis allée. Chaque pas est un nouveau voyage. Quand j'y ai posé le pied, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mes poils se sont hérissés et mon estomac s'est contracté. N'est pas un lieu pour la vie. Chaque vie est sacrée. Et pourtant, j'étais certaine, au plus profond de moi, que les îles m'accueillaient, qu'elles souhaitaient ma présence. Gardez espoir. Je me suis enfoncée dans les îles. Je n'ai vu que la mort autour de moi. Des arbres fantomatiques. Vous vous arrêterez là. Des plantes maléfiques m'ont ébloui de leur fascinante noirceur. C'était si calme et si beau. Avec grâce, j'ai caressé de la main une feuille spectrale qui se balançait au gré du vent. Sauf qu'il n'y avait pas de vent. C'est là que j'ai compris